Bonsoir Montréal, bienvenue à ta galerie sexuelle. Hey Montréal! Pour les temps de rire, on se trouvait dans une file d'attente d'avortement. Si, calmez-vous. Hey, bienvenue à cette avant-dernière soirée de Metal Academy 2014, la quatrième édition de ce fantastique événement qui laisse plein de bandes pas de talent jouer devant des foules qui n'ont pas le goût de les voir. Alors merci d'être ici. C'est nous autres, ça! Ce soir, c'est très spécial parce qu'il y a un band qui vient de loin. Mais en réalité, c'est très pan-canadien ce soir. On a un band de Sherbrooke, un band de Montréal, et un band de Ottawa. C'est pas vraiment l'internet du DSL, c'est comme peu importe. Alors, avant tout, je vais commencer en présentant nos fantastiques commanditaires qui, grâce à eux, on n'aurait pas de prix. Parce qu'à chaque année, on a des choses spéciales cette année. C'est des événements et des fantastiques spectacles. Nos commanditaires cette année, c'est Inertia Entertainment, District 7 Productions, Extensive Enterprise, on a Warping Extravaganza, ce gars-là. On a aussi SPM Prod, Extrême Prod, qui est le fantastique Matt et la fantastique Corinne. Lex Guitar, qui va faire un tune-up de guide pour les gagnants, et qui vend des fantastiques guitares, qui devraient être ici ce soir, mais malheureusement, ne peut pas parce qu'il se crisse de nous. Il y a Dynamic Design aussi, et Edgar Delacroix, qui vont pouvoir faire une fantastique pochette aux gagnants s'ils le veulent. Et Silvery Productions, qui est M. G ici présent, que je vous présente plus tard. Tous ces bands vont offrir des fantastiques prix. Qui sont pour le premier band, un show à Toronto, un show à Québec, un show à Montréal avec Inertia District 7 et Extensive avec des bands internationaux. Fait que si vous faites de la musique de style qui existe, pas comme eux, qui font de la musique qui n'existe pas vraiment, c'est des chances d'un des bands que vous aimez. Si vous aimez des bands de dons comme eux, ben vous allez jouer dans tout ça des fous. Et pour Montréal, pour les deuxièmes prix, c'est le show à Sherbrooke, Trois-Rivières et Montréal avec Warping, SPM, Extreme Pod. Là, c'est avec des productions de sous-sol de fouf, mais avec des bandes quand même de qualité, comme ce qu'on va voir ce soir. Soit pas vraiment. Alors, ce soir, on a des invités spéciaux. On a le juge le plus awesome, je dis ça parce que le premier band de vrai métal que j'ai écouté, c'est lui qui chantait dedans, et il chante encore dedans. Monsieur Marc Vaillancourt de Barf, qui est juge ce soir. Ça, c'est la notoriété. Et aussi très spécial, on a ici le nouveau sosie de Danny Simon. Monsieur G de Cedar Wing nous a joué récemment un fantastique cover de ton appel. J'ai hâte de voir les prochains. Ça me donne le goût de sortir les véniles et d'incinérer ces mauvais souvenirs dans ma tête. On a comme d'habitude aussi Lex qui sort des catacombes pour venir dire ce qu'il pense sur la musique de Montréal. Et on a toujours le bras de Matt Paré qui tient la caméra. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Grâce à ça, vous ne pourriez pas avoir la misère d'avoir cet événement sur votre ordinateur et avoir 1800 notifications par heure. Alors, sans plus tarder, le premier groupe ce soir est excellent au point qu'il a gagné par défaut parce que toutes les bandes de Sherbrooke ont dit « on joue pas avec eux autres, c'est des débiles ». Est-ce qu'ils sont bons? Oui, parce qu'ils molestent les autres bandes dans les shows, je sais pas. Mais ils sont ici ce soir, ils ont bravé la tempête de fuck all pour être ici. Ou plutôt braver le bill de dry cleaning parce que votre linge, c'est si vous l'avez pas à la machine, c'est même trop propre. Tu sais, ma femme qui se met au funérail? Non, le mariage à ma mère. Quoi, t'es une mère? Ouais. Je pensais que vous l'avez adopté. Alors, chers amis, une phrase d'un anglicisme de qualité ou d'un mise à l'internet, je vous présente comme à me, bro. Oh!
Fait que, pour de ça, c'est pas trop awkward. Ça, c'est awkward. I call this. Ready to fight? All right. Next song is called.